Thank you. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, je vais vous présenter un peu de contexte. J'ai 20 ans, j'entre dans l'école école d'ingénieur. Je dois faire un stage de 6 mois. Du coup, je me dis, chouette, je vais prendre un stage un peu tech avec du dev, du Java, de la programmation objet, tout ça. Moi, je me dis, je vais apprendre beaucoup, je vais être accompagnée, ça va être génial. Eh ben non. En fait, ça a pué, c'était nul. Euh, déjà, j'ai pas eu de PC pendant 15 jours. On m'a donné des specs techniques et imprimé papier. Euh, clairement, mon tuteur n'était pas très sympa. On ne me donnait pas de travail. Quand on m'en donnait, on résolvait les PR à ma place ou euh, les MEP euh, plutôt que de me dire ce qui allait, ce qui n'allait pas. On m'a fait une proposition d'alternance. Bien sûr que je vais refuser parce que quand vous passez six mois où ça se passe mal, vous n'avez pas de boulot, on ne vous parle pas, on ne vous explique pas et on ne vous fait pas avancer, bah, ça ne va pas être bien pendant deux ans. » Et puis, je suis rentrée chez Bedrock. Ça a beaucoup changé ma vie, clairement. Euh, on a tous vécu cette situation critique, euh, je pense, au cours de vos carrières. Et bien moi, dites-vous que j'ai commencé par celle-là. Ce sera peut-être pas la dernière. Hein. Du coup, j'ai décidé de vous parler, mentor, super-héros ou super-vilains, qui sont-ils C'est un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet qui a été fortement impactant pour moi. Et euh, petit disclaimer, euh, je ne vous propose pas de solution miracle, je vous présente mon point de vue, mon expérience et les choses qui, selon moi, euh, ont été utiles dans mon mentorat. Donc, je suis Pauline, euh, je travaille chez Bedrock, on vend des plateformes de streaming en marque blanche pour des clients comme M6. Je suis développeuse backend back-end PHP, depuis peu de temps, je tripote un peu le go. Euh, des fois, je râle, donc je suis un peu greenchesque, euh, parce que bah, je râle après tout et après rien. Je suis également membre du CES, qui est un groupe de soutien entre femmes dans la tech. Et je suis également membre de la FUP à Lyon. Donc au programme, c'est bien beau, je vais vous parler de mentorat, mais qu'est-ce que je vais vous dire bah, D'abord, je vais faire un petit spin-off, le mentorat, c'est quoi Ensuite, je vous parlerai du futur, est-ce que moi, je me vois comme mentor Puis après, euh, un peu d'actu euh, sur euh, actuellement, à quoi ressemble ma vie, euh, pourquoi c'est chouette. Euh, puis, Bedrock. Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le commencement Quel a été mon cheminement de carrière Et comment j'en suis arrivée là Donc d'abord, le mentorat, c'est quoi C'est une relation interpersonnelle. Attention, ça veut dire qu'il y a deux personnes. Ça veut dire qu'il y a des interactions humaines. Ça veut dire qu'il y a des caractères différents. Ça veut dire qu'il y a des fois, on va vexer quelqu'un sans le vouloir. C'est du soutien. Beaucoup de soutien. C'est des échanges. C'est de l'apprentissage. Et au final, c'est quoi C'est du don de soi et de son temps pour aider quelqu'un à s'épanouir et à se développer professionnellement. Globalement, pour le futur, euh, est-ce que moi je me vois comme un mentor euh, pff, Pas trop pour l'instant. Je ne me sens pas tellement les épaules. Je ne me sens pas tellement prête pour ça. Je pense que j'ai encore beaucoup d'expérience technique à acquérir. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Et puis en fait, le mentorat, ça implique pas aussi uniquement un stagiaire, un alternant mais euh, ça peut être aussi avec ses collègues, un projet que vous maîtrisez un peu mieux qu'un autre, ça peut être sur plein de choses. Aujourd'hui, euh, concrètement, ma vie professionnelle, c'est quoi Je suis dans l'équipe des calcifères euh, chez Bedrock, euh, c'est une super équipe où je suis beaucoup accompagnée, on m'aide beaucoup, j'ai une manager géniale euh, qui est super à l'écoute et j'y reviendrai. C'est une bonne entreprise, je suis très très épanouie. Euh, je fais de la montée en compétences quotidiennes et je m'en rends compte. Donc c'est pour vous dire que vraiment l'état d'esprit est sain et je suis bien. Je prends beaucoup de recul. Je me rends compte qu'en fait, en effet, le mentorat c'est vraiment à double sens. C'est pas uniquement un mentor expérimenté qui apprend à un mentoré. Vous aussi, en tant que mentoré, vous avez des leviers d'action pour euh, partager des choses. Et vous allez me dire, mais en fait, comment enfin, j'espère que vous vous posez la question de. Comment est-ce que euh, du début, tu nous parles d'un stage foireux, nul, euh, vraiment pas top, et là, en fait, euh, tu es super contente euh, Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, avant de le savoir, je vais vous présenter un petit peu qui était Pauline en post-bac, qu'est-ce qu'elle voulait faire, et quel était son rêve. Et ben, son rêve, c'était de venir euh, médecin. Et c'était une blague de devenir ingénieur informatique. Et puis, en fait, la médecine n'a pas voulu de moi. J'ai redoublé, j'ai échoué. Et du coup, je suis partie en prépa en école d'ingé. Alors là, je m'imaginais comme Jimmy Neutron, en train de construire des fusées, de partir dans l'espace. Ça y est, j'étais astronaute. Puis, en fait, c'est une prépa euh, maths et mécanique. Du coup, le seul informatique et les seuls algos que j'aurais manipulés, c'est Matlab, et j'aurais résolu des équations de matrices. Je ne fais pas de programmation objet. Mais dans ma tête, il y a quelque chose qui me dit fais de l'info, ça va te plaire. Et puis je fais un vœu et je vais en informatique à Polytech Lyon. Et là, c'est la douche froide. Je me ramasse. J'ai jamais fait de programmation objet. On commence par ça. On m'explique Java, l'héritage, toutes ces notions là. Je comprends rien. Je suis en souffrance perpétuelle. Je fais de l'assembleur, je fais du réseau. Je suis complètement perdue. Je raccroche les wagons tant bien que mal. Et puis en fait, euh, vient la fin de l'année. Et puis c'est quoi C'est, bah, Pauline, tu redoubles. Ah oh, punaise. Ça, ça m'embête. Du coup, comme en finale, je redouble pour 4 heures par semaine sur un seul semestre, je me dis, est-ce que je négocierai pas quand même un stage Histoire d'aller me confronter aux difficultés. Et puis je prends un stage de dev. Comme ça, on tabasse les difficultés, puis on comble les lacunes. Vraiment, on y va. Et c'est là le fameux stage où ça se passe mal. C'est un choc. J'en parle un peu autour de moi, à l'école, à des gens avec qui je m'entends bien. Et puis au final, à l'école, on va me dire quoi De toute façon, c'est pas grave. Les femmes, c'est pas technique. Tu vas faire venir PO comme toutes les autres. OK Et puis, j'ai envie de vous grossir le trait. De toute façon, après une femme, ça fonde une famille. Donc euh, au final, euh, c'est pas très grave. Ah Bah, moi, je voulais faire du dev. Moi, je voulais être un gros barbu qui dev toute la nuit. Et du coup, et plot twist, je reste accrochée, je me dis non mais moi je veux être tech et ça va pas se passer comme ça. Je reste sur mes appuis comme Antoine Dupont et j'arrive chez Bedrock. Et j'arrive chez Bedrock grâce à une personne qui donne une conférence juste après qui est Benoît Viguier, Donc merci Benoît. Et là, je passe de dernière de la classe à major de promo. Pourquoi Parce que déjà l'approche de l'alternance ça va beaucoup m'aider. Et puis euh, parce que en fait, j'avais un mentor qui a choisi c'est pas, j'ai pas été imposée, C'est vraiment le choix Benoît qui avait envie d'apprendre à quelqu'un de nouvelles choses. Et du coup, moi j'ai pris du recul. J'ai dû penser à pourquoi euh, j'avais vécu tout ça, qu'est-ce qui m'avait aidé, qu'est-ce qui m'avait pas aidé, et comment j'en étais arrivée à changer euh, totalement de paradigme dans ma vie. Et ben en fait, c'est parce que euh, Benoît, donc je vous remets en contexte, il est principal ingénieur au back-end chez Bedrock à l'époque. Il me donne une chance, je vais construire ma première relation mentor mentoré qui va être saine où on va beaucoup discuter. Et je vais faire quoi Je vais créer un outil de dette technique, de mesure d'aide technique dans l'entreprise. Il va y avoir beaucoup de discussions pour euh, qu'est-ce qu'on va apprendre Des discussions techniques, euh, des discussions sur mes difficultés. Sur bah, des fois la mauvaise organisation, parce qu'en alternance, bah, des fois on va se laisser submerger par les cours et puis on va se voter totalement au travail parce qu'on est en train de penser au projet à rendre hier. On va aussi avoir une atmosphère bienveillante, on va faire beaucoup, beaucoup de coopération. Il y a aussi eu beaucoup de travail. Vous allez me dire, mais tu étais là pour ça. En même temps, je veux dire, à un moment, on n'a rien sans rien. Mais j'ai quand même beaucoup donné de moi, donc ça, c'est un petit appel aux mentors aussi. Si ça foire, c'est pas que de votre faute. Euh, J'avais aucune compétence technique ou très peu, donc il y avait des lacunes. Et du coup, vous arrêtez pas à ça dans votre choix aussi de mentorer. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas les compétences techniques qui va forcément être un mauvais mentoré et qu'il va rien apprendre. Au contraire, souvent, des fois, on est peut-être encore plus motivé et on a encore plus envie de se donner les moyens. Donc, ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît, à la euh, compétence technique parce que ça, ça s'apprend. On a beaucoup itéré avec des difficultés croissantes, ce qui m'a permis, moi, de ne pas couler sous les nouvelles compétences. Comme je vous le disais, j'étais en alternance, donc j'avais déjà des cours sur des domaines qui ne m'intéressaient pas forcément, où je devais apprendre de nouvelles choses. Si en plus au travail, j'arrive et puis on me demande tout et n'importe quoi sur des choses que je ne sais pas faire, en fait, je vais me noyer et je vais être complètement perdue. Ça va être juste une souffrance et ce n'est pas le but. Et ça m'a permis d'avoir une acquisition des compétences qui va être progressive et surtout qui va être durable. Parce que le fait d'avoir eu le temps d'apprendre et d'acquérir les compétences, ça m'a permis d'évoluer sereinement. Et du coup, à la fin de cette première itération avec Benoît, qu'est-ce qui se passe J'ai acquis les bonnes pratiques de l'entreprise, je suis à l'aise avec mon écosystème PHP, et j'ai comblé en partie mes lacunes. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Et du coup, je me suis quand même dit, mais en fait, pourquoi cet homme qui avait un travail assez prenant et il a voulu s'embêter, parce que pour certains c'est une charge, d'un alternant qui ne savait rien, qui était pas euh, qui était présente, avec de la bonne humeur et de la joie, mais qui euh, techniquement bah, c'était un peu un frein. Et ben, son point de vue, lui, c'est euh, former quelqu'un bah, avec euh, les savoirs de l'entreprise, les bonnes pratiques, mais surtout, et il m'a dit quelque chose qui moi m'a paru un déclic, c'était j'avais le temps et j'avais l'envie de le faire. Donc, à contrario du premier stage où je me suis sentie comme un poids, un frein au tuteur, mais vraiment, je l'embêtais. Euh, je lui posais une question, il soufflait, quoi. Ben là, non. Je me suis jamais sentie comme un poids ou pesante, malgré son planning euh, un peu chargé de principal engineer où il devait aller euh, chercher des fuites mémoire dans le code, aider au monitoring de la plateforme. Et ben, j'ai jamais eu l'impression d'être un frein euh, lui dans son travail quotidien. Et ça, c'est déjà un premier point. En fait, peut-être que pour être un super mentor il ben, faut être prêt. Il faut avoir choisi d'accueillir un alternant. Il faut avoir une idée, peut-être, de ce qu'on va lui faire faire. Parce qu'en fait, c'est un enseignement. Vous êtes comme un professeur. Un professeur, il prépare son programme. Et un peu comme à l'école, vous avez un programme un petit peu prédéfini, ben, ça peut peut-être valoir le coup de passer un peu de temps, de préparer en amont l'arrivée de votre alternant. De définir des objectifs qui sont atteignables, ça c'est bien, modifiables, discutables. En fait, inclure votre alternant dans le choix des objectifs, bah, c'est super parce que du coup, ça va être adapté à lui, sa personne et ce qu'il fait. Et du coup, il faut que ce soit un accord avec le duo. Et j'aime bien le mot duo, parce que ça veut dire qu'il y a une complicité, il y a quelque chose qui s'est créé, on est à l'aise l'un avec l'autre. L'enseignement, c'est un métier. Un professeur prépare son cours, pourquoi un mentor ne préparerait pas son mentorat Et du coup, moi, quand je suis arrivée, Benoît, il avait établi un plan d'action on avait des étapes précises on avait une roadmap au début j'ai commencé par un script vanilla php alors c'était bien rigolo puis on a fait un script un peu plus avancé puis on a utilisé un micro framework puis enfin on est passé sur symfony et au final ça s'est déroulé ça tout ça sur un an ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain donc ça veut dire qu'il a eu énormément de patience de me faire évoluer de m'emmener là où il voulait m'emmener et moi ça m'a permis de pas sombrer dès le départ j'ai appris à résoudre des problématiques, j'ai appris sur mes façons de travailler, sur comment j'aimais travailler, et surtout, je ne me suis pas découragée. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on est jeune, on est plein de rêves. Parfois, on a été un peu déçus de nos expériences précédentes. Et en fait, tout ça, ça permet de construire une confiance en soi, mais aussi vis-à-vis -vis de notre mentor, de notre manager, etc. On prépare son planning. Alors, c'est pas préparer le planning de votre alternant en lui disant, écoute, de 9 à 12, tu travailles, de 12 à 13, tu manges, je t'ai préparé une petite gamelle, elle est au frigo. Pas du tout. Il n'y a pas besoin que ce soit très détaillé et extravagant. Surtout, c'est accorder un petit peu de temps, en fait, pour discuter, pour prévoir, pour expliquer. Parce que dites-vous que c'est ça, surtout le gros impact que ça va avoir d'apprendre à mentorer avec vous, c'est que ça va vous bouffer du temps. Et de l'erreur qu'on peut potentiellement faire, ça va être de minimiser le temps à accorder. Du coup, qu'est-ce qu'on peut commencer de retenir pour devenir un bon mentor ben, Peut-être d'être prêt pour ce challenge et de se poser cinq minutes et de réfléchir à comment est-ce qu'on veut mentorer quelqu'un. Et puis moi, je me suis posé une, une question obscure, mais c'est quelles sont ces motivations Qui sont ces gens qui aiment aider les autres Et du coup, je l'ai demandé à Benoît toujours. Et il m'a dit ben moi en fait, c'est transmettre ce qu'on aime et voir que ça fonctionne. Ben en fait, euh, moi, l'impact que ça a eu, c'est que j'ai vu quoi en face de moi Enfin, qui J'ai vu quelqu'un de passionné qui aimait la qualité de code. Et forcément, en fait, ça s'est ressenti au fur et à mesure. J'ai toutes les bonnes pratiques. Ben, J'avais envie de faire aussi bien que lui. J'avais envie que mon code, il soit chouette. J'avais envie que ça marche bien. Donc, en fait, ce que vous renvoyez, ben, votre mentoré va l'absorber la, et s'en servir comme euh, de l'énergie. Et puis, il a dit quelque chose qui, moi, je trouve très bien. Et qui est une belle position, c'est de être expérimenté. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de partager ses connaissances. Et ouais, <laughs> c'est pas parce que vous avez plein de trucs que vous savez les expliquer et les transmettre à quelqu'un. Et comme il partait de ce postulat-là, Benoît, ben moi ça m'a mis vachement à l'aise de lui dire quand je comprenais pas. Et surtout, je me rappelle d'un moment où j'étais en première année d'école, j'étais en deuxième année d'école d'ingé, puis il m'explique les principes solides. Les design patterns. Et alors, je, ah mais je comprends rien. Je le regarde, j'ai le regard vide. C'est bovin. Je comprends pas. Je ne sais pas où il va en venir. Et en fait, il s'est pas découragé. Il a quand même continué de m'expliquer. J'ai acquis vaguement le truc. Et puis en fait, c'est en dernière année d'école d'ingé où j'ai eu le tilt quand on a fait le vrai cours sur les design patterns. Je me suis dit mais c'est donc ça ce qu'il m'expliquait il y a un an. Ah. Et ben en fait parce qu'il me l'avait expliqué parce que je l'avais mis en pratique sans m'en rendre compte, ben ça m'a vachement aidé à réussir mes partiels. Tout ça pour en venir à ce qui est triévial pour vous, n'est peut-être pas forcément pour quelqu'un d'autre, et y compris pour votre mentoré. Et euh, son petit instant chouchou, c'était les instants des clics. c'est lui qui me les a appelés comme ça. C'est le moment où votre mentoré va comprendre ce que vous vouliez lui faire passer. Et je pense que c'est un moment chouette d'arriver à transmettre à quelqu'un quelque chose qui nous tient à cœur et par lequel on est passionné. Du coup, vous l'aurez compris. Depuis tout à l'heure, je vous parle, je vous parle, je suis en train de vous communiquer des choses. Mais est-ce qu'au final, c'est parce qu'on a fait et ce qui a fait que ça a réussi entre Benoît et moi C'est qu'on a appris un petit peu à se connaître. Bon, pas de façon très intime, bien sûr, on n'était pas non plus les meilleurs copains à se checker quand on arrivait. Mais j'étais suffisamment à l'aise pour lui dire lorsqu'il y avait un souci, que ce soit logistique ou personnel. Parce que des fois, bah oui, il euh, y a des impacts perso, il y a quelque chose qui nous prend la tête, les cours, ça nous encombre. Et en fait, dire qu'on est submergé euh, ben, par des doutes, par les cours, par la vie perso, par quelque chose, eh ben, ça aide parce que la personne en face, si elle est plutôt réceptive et que vous êtes sur une relation de confiance, elle va s'adapter et ça va permettre de vous aider et toujours d'être dans le positif et d'avancer. C'est Apprendre à se connaître, c'est aussi savoir comment travailler ensemble de façon efficace, comment on apprend, comment on partage, qu'est-ce qui nous aide, est-ce que. On apprend vite, est-ce qu'on apprend doucement Ça, c'est des choses aussi qui peuvent aider, euh, que ce soit le mentor ou le mentoré, de le signaler. En fait, ça va aider et ça va rendre beaucoup plus fluide euh, l'apprentissage. Apprendre à se connaître, au final, ça permet quoi Une communication efficace, des quiproquos Et en fait, bah, tout se déroule facilement. Apprendre à se connaître aussi, ça va nous permettre d'être un peu plus à l'aise, peut-être, pour poser des questions. Si on sait que la personne en face, elle est plutôt ouverte et plutôt sympathique ça a créé une atmosphère où on peut poser des questions de tout type. Par exemple, moi j'ai souvent le sentiment de poser des questions super bêtes, et pourtant elles sont si cruciales pour moi. C'est souvent la question que j'osais pas poser, parfois, qui en fait était le petit caillou dans ma chaussure pendant une randonnée. Le petit caillou qui fait mal, on ne sait pas où il est. Et bien là, en fait, la plus petite chose en interrogation, bah ben, parfois ça va être le déclic. Et du coup, si votre mentoré il est à l'aise avec vous, il va pas avoir peur de se dire, oh, c'est une question bête, il va me prendre pour un neuneu. Non, en fait, et du coup, là, vous allez aider quelqu'un à progresser. Poser des questions à son mentoré aussi, ça va être de savoir comment il se sent, parce que ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu qui est bien Ça peut être vous aussi lui demander qu'est-ce que tu trouves que je fais bien. Ça peut être reformuler ce que vous venez de lui expliquer euh, lui, en lui posant une question, qu'est-ce que tu as compris Reformule-moi ça. Ça, c'est la technique qui est imparable pour savoir si quelqu'un a compris ou pas, et surtout si elle capte l'idée. En fait, poser des questions, ça peut permettre aussi des fois de forcer un petit peu la communication avec les gens timides, mais surtout, ça va permettre de savoir comment s'améliorer. Pour communiquer, il y a plusieurs types de choses aussi. On peut faire des daily, morning, stand-up, peu importe comment vous les appelez. Une petite réunion rapide quotidienne qui permet de savoir euh, quelles ont été les difficultés, quels sont les points rencontrés, quels sont les déclics, etc. Et ça ouvre... Souvent la porte a des explications, a du père et on avance tous ensemble. Les one to one, alors moi c'est un peu mon rituel chouchou euh, parce que souvent j'ai eu de la chance, je suis tombée face à des gens qui me donnaient des feedbacks mais qui acceptaient d'en recevoir de ma part. Donc dire "écoute là je crois que c'est pas ouf, ça m'a un peu frustré, euh, j'ai pas compris pourquoi tu m'as dit ça." Ça, c'est une chance, mais énorme, parce que vraiment, ça, ça fait avancer, on fait avancer les gens, on se fait avancer soi-même, d'être capable de dire à quelqu'un que peut-être que selon nous, il est un peu raté là, il a raté un truc. Et du coup, aussi, les one-to-one, -one, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet surtout de déterminer des actions et des objectifs adaptés, réalisables et qui vous font progresser. Je pense que personne aime se fixer des objectifs qu'ils atteignent jamais. On aime tous des fois, bah, baby steps par baby steps, on avance et c'est là en fait où on se rend compte qu'on progresse et qui donne confiance. Les explications, moi j'ai eu beaucoup d'explications de la part de Benoît sur plein de sujets techniques. Ça peut vous paraître long et une perte de temps, mais en fait non. Euh, Dites-vous que vous capitalisez sur le futur parce que quelqu'un à qui on a pris le temps d'expliquer pendant une heure aujourd'hui, eh ben, c'est une heure de gagner demain parce qu'on n'a pas à lui réexpliquer parce que si on a pris le temps de reformuler, de voir si elle comprenait ou pas, eh ben on avance. Et on évite surtout la reproduction d'erreurs, on évite les cercles vicieux. Et surtout, on se rend compte que on n'a pas tous le même schéma mental, on n'a pas tous la même approche des difficultés, des, des définitions techniques, des concepts, etc. Et du coup, bah, c'est hyper important. Et soyez pas comme Isma, blasé comme elle. Expliquez à votre cronque. Et donc... Qu'est-ce qu'on peut retenir Donc toujours être prêt, ça, ça ne change pas. Mais qu'on peut communiquer et expliquer. Ça, c'est très, très important. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé d'avoir quelqu'un en face de moi qui était patient. Je fais une petite minute prévention. Euh, mon propos, il est a priori unilatéral. Mais en tant que mentoré, on peut y mettre du sien aussi. Euh, moi, je pense que j'ai beaucoup donné. Je me suis donné les moyens. Mais j'ai été aidée aussi. Et surtout, on travaille avec des humains. Ça veut dire qu'il y a des sentiments en jeu. Et comme pour les schémas de pensée, on n'a pas tous les mêmes sentiments, on n'est pas tous sensibles de la même façon. Du coup, ça va peut-être demander un peu d'adaptation. Euh, par exemple, moi, j'aime qu'on me pousse à bout, qu'on me pousse dans mes retranchements. C'est dans ces moments-là que je donne le meilleur. Et vous faites ça à quelqu'un qui est très stressé, très sensible. Et vous allez juste le mettre au fond du trou, potentiellement le mener à un burn-out. Et ce qui n'est pas top Donc en fait, en tant que mentor, pensez aussi un petit peu à la santé psychologique de la personne en face de vous, c'est hyper important. Donc on s'adapte. Vous doutez bien qu'il y a des flops. Ça ne peut pas être si merveilleux. Du coup, le flop selon Benoît, lui, ça a été sur la gestion du temps qui s'est foiré. Ben en fait, le travail quotidien, oui, ça prend facilement pas sur le reste, surtout quand on a un poste à responsabilité comme il l'avait. Euh le mentoré aussi, moi, euh, ce qui m'a posé problème sur la gestion du temps, c'est en fait savoir s'arrêter et avouer qu'on bloque. On a toujours un peu cette pression d'avoir envie de réussir pour montrer qu'on est capable, qu'on a, on, on a mérité notre place quelque part, ce qui est un petit peu toxique peut-être. Et du coup, en fait, on a des fois du mal à savoir s'arrêter. Ça fait une semaine qu'on est sur la fonctionnalité, on n'arrive pas à trouver, euh, on fait des tests. Euh, ben, des fois, euh, se poser, dire, OK, écoute, est-ce que tu as cinq minutes On peut regarder ensemble, s'il te plaît, parce que là, vraiment, je n'y arrive pas. Ben, c'est un équilibre qui est précieux et fragile, la gestion du temps. Du coup, ce qu'on peut faire pour s'aider, c'est quoi On peut se guider peut-être. On peut se donner des indications lors des points quotidiens. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de réunions, mais tu peux me contacter de telle heure à telle heure. Ou alors, on peut s'aider en priorisant les messages avec des émojis pour qualifier l'urgence ou non. Nous, ça, on le fait un petit peu dans l'équipe, des fois, parce qu'on... On aime bien tous envoyer plein de messages à notre manager, sauf que des fois, réu, elle ne peut pas répondre et ça la stresse parce qu'elle voit qu'elle a une notif. Mais elle ne sait pas si c'est urgent, pas urgent, si c'est une blague sur les girafes ou non. Et moi, il y a une chose pour moi que j'ai découvert qui s'appelait le Bring Me A Rock Management. Vous avez eu l'accent. C'est-à-dire qu'on demande à notre mentoré de nous amener une pierre. Il nous ramène une pierre ronde. Ouais, mais moi, je la voulais, elle est carrée. Mais moins que... et du coup, on ramène une pierre carrée, mais un peu moins carrée. Est-ce que en fait, vous pouvez lui reprocher qu'il n'avait pas fait son travail Non. Mais par contre, vous ne lui avez pas assez donné d'indications pour répondre à votre besoin. Donc en fait, vous pouvez pas vraiment vous plaindre de la façon dont le problème a été résolu. Par contre, vous pouvez aider quelqu'un à améliorer justement cette réponse. Et là, moi, je vous suggère une action, c'est la revue de code. Et moi, ça, c'était des moments que j'aimais bien aussi. On passait le code ensemble et surtout on souligne ça c'est bien parce que. Ça ça pourrait être mieux comme ça. Ça ça ce n'est pas bon parce que. On indique les douze et dont. Et ça c'est hyper riche. Et là vraiment vous avez une plus-value et vous amenez quelque chose à votre mentoré. C'est pas juste ça c'est nul poubelle. Euh, ça c'est ouf. Ouais, ok. Donc vraiment enrichissez, expliquez. Je sais ça vous paraît prendre beaucoup de temps mais en fait pas tant que ça. Et surtout, vous avez les tellement apporté à quelqu'un que c'est vraiment. Mais de l'économie sur le futur, faut voir à long terme. Un mentorat, c'est pas à court terme que ça se voit. Après cette première année, j'arrive dans ma première équipe, les Duncan. Ils gèrent le back office et plus précisément le bac du bac. On est sept. Alors moi, je stresse, je me fais des films. Et si je casse la prod Et si j'y arrive pas Et si on me trouve trop nul Et qu'est-ce que je vais faire après Je vais vraiment rater ma vie et puis en fait, je me fais complètement des films. Euh, je suis accompagnée par le lead. Et euh, vous vous rappelez quand je vous dis on est des humains et tout Eh bien, je découvre un collègue safe. Et moi, euh, je ratais toujours mes rebates. je les rate encore toujours. Je ne sais pas comment je me débrouille. Et du coup, il y avait Stéphane qui m'aidait. Et pourquoi ça m'a aidé dans cette équipe parce que j'ai été intégré, on m'a présenté de la documentation, on m'a présenté les processus de l'équipe. J'étais vraiment un membre à part entière. Et ça, c'est hyper important de se sentir accepté. Et discrètement, ce que faisait le lead, et je m'en suis rendu compte bien après, c'est qu'il me donnait des US de difficulté croissante. Je l'avais pas forcément vu venir, parce que je la mettait comme ça, hop, j'avais fini, clac, le bon ticket qui apparaissait au bon moment pour moi. Eh ben, ça m'a permis de me familiariser avec les outils, les process, avec l'équipe. On encourage le père, c'est hyper bien. Peut-être que des fois, votre mentoré, ben, il va mieux s'entendre avec quelqu'un et qui n'est pas vous. Et c'est totalement OK. Parce que ça veut dire que pour lui ou elle, elle a un collègue safe qui va l'aider. Et par exemple, ben, moi, j'ai Rebase Nawak. Voilà. Et puis surtout, on patiente, on est patient, on accepte les délais, on accepte d'accorder une phase de découverte du ticket, des techniques. Euh, moi aujourd'hui encore, quand je fais de la revue de code, eh ben, je mets une plombe. Et c'est OK pour ma manager parce qu'elle sait que bah, ça me prend un peu plus de temps de la faire de façon rigoureuse parce que j'ai un peu moins d'expérience que les autres. Et ouais, être patient, ça c'est dur. Mais vous verrez qu'on y arrive quand on a vraiment envie d'y mettre du sien. Enfin, j'arrive en fin d'alternance. On peut se penser que ça va être la fin du mentorat. Et en fait, non, c'est juste que je découvre un autre aspect du mentorat. J'ai une manager d'exception, vous savez à quel point je l'aime maintenant, je pense que vous avez compris. Et puis là, il y a deux autres gugus dans mon équipe, des barbus qui ont roulé leur boss, qui ont 10 ans d'XP. Et du coup, là, je vais, on va former un trio et un duo. Donc il y en a un qui s'appelle Pierre, et ensemble, on forme les peaux pierre. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Nathan, et tous les trois, on forme les pipotants. Parce que ça nous fait rire, et parce qu'en fait, on sait créé une dynamique d'équipe. Parce qu'ils sont expérimentés, mais qu'ils ont l'envie de partager leur savoir. Et en fait, c'est pareil dans leur sens. Moi, je leur présente des trucs de jeunes, et ouais, des petites vidéos drôles, tout ça. Mais en fait, des fois, juste, on a des conceptions d'esprit différentes, et on peut s'emmener beaucoup, et on peut s'enrichir beaucoup. Et du coup, maintenant, je suis un peu à une autre step du mentorat. Je suis plus dans l'étape franchir et éviter les obstacles, parce que bah, des fois, je trébuche encore un petit peu. Et du coup, ce que j'ai appris dans cette équipe, c'est à accueillir les erreurs. C'est pas les encourager, c'est pas vas-y trompe-toi. Non, c'est étudier pourquoi elles sont arrivées. Euh, Est-ce qu'elles étaient évitables Si oui, comment on aurait pu les éviter Puis vous avez en fait deux attitudes, deux façons de gérer les erreurs. Vous allez vous énerver, euh, taper sur votre alternant. Euh, non, on ne tape pas sur Pompon. Ou expliquer, ben, prendre du temps. Mais dites-vous que ça, pareil, on capitalise sur l'avenir parce que si vous expliquez pourquoi il s'est trompé aujourd'hui, demain il ne le refera pas, enfin, normalement. Et grâce à une collègue, j'ai découvert la notion d'égoles programming. C'est pas faire aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Je pense que ça grave pour personne, même au bout de 25 ans d'expérience, de se faire blâmer pour une erreur qu'on a faite. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Le but, c'est juste d'essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi c'est arrivé, d'expliquer comment ça peut ne pas se reproduire. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire de la revue de code. De la mob review en live, on construit, je suis d'accord, ça, ça fonctionne que s'il n'y a pas eu de MEP. S'il y a eu malheureusement une mise en prod un petit peu rapide, ce qui va être important, c'est qu'on peut faire un post-mortem. On va étudier ensemble où, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les coupables, comment on peut-on faire, quelles ont été les erreurs, comment on aurait pu les éviter. Et surtout, c'est de penser à la solution idéale pour ne pas que ça se reproduise la prochaine fois. Qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je dois mettre en place comme processus et du coup, aussi, vous, en tant que mentor, vous pouvez vous poser la question de, mais en fait, quels objectifs j'ai donnés et quelles étaient mes indications Et là, vous repensez au Bringer Rock Management. Peut-être que mes indications n'étaient pas claires. Et du coup, on peut aussi anticiper les obstacles. Ça, vous pouvez lire votre ticket avec votre mentoré, dire, bah, voilà, ton avis, toi, qu'est-ce qui va te bloquer Qu'est-ce qui va te demander du temps On donne des repères et puis on fixe des actions. Puis des fois, on essaye, ça ne marche pas. Et puis, grâce à une bonne communication, au final, est-ce qu'on s'évite pas beaucoup de soucis quand ça n'a pas marché Ça nous permet de savoir pourquoi et on essaye de construire ensemble et de s'améliorer. Aujourd'hui, on a également beaucoup de soutien dans cette équipe. On s'accompagne, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas toujours quelqu'un par-dessus mon épaule. Ça va Ça va Tout se passe bien Ouais. Non, on se place comme un accompagnant, c'est-à-dire qu'on fait sentir sa présence et sa disponibilité, mais on n'intervient pas. Il y a aussi beaucoup de soutien dans notre équipe. On est un peu tous des cheerleaders les uns des autres. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu plein de messages de mes coéquipiers qui m'ont dit, tu vas tout déchirer, euh, même au sein de la boîte, globalement. Tout le monde est hyper positif, reboosté. Et je pense que ça, on aime tous, peu importe l'âge qu'on a, peu importe à quel stade de notre carrière on est. C'est toujours agréable de recevoir des mots positifs. On s'encourage, même les petits gestes. Toujours un plaisir d'offrir et une joie de recevoir. Et donc... Pour retenir peut-être comment devenir un bon mentor donc on est prêt on communique on est patient on est à l'écoute c'est hyper important on s'adapte on accompagne et au final pour moi il n'y a pas de super vilain comme je vous l'ai dit c'est des relations humaines et on a tous des atomes plus ou moins crochus avec certaines personnes certaines façons d'interagir certains caractères je pense qu'on peut tous être bon mentor à partir du moment où on se donne les moyens, qu'on accepte les erreurs et qu'on s'en sert pour s'améliorer. Que ce soit des erreurs au niveau du code, au niveau des interactions. Et du coup, faut accepter aussi que le mentorat c'est une relation humaine avec ses qualités et ses défauts. Et je pense qu'il faut aimer l'humain pour faire un bon mentor quand même. Il faut essayer surtout, essayer. il euh, Faut s'investir, faut accorder du temps. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, on peut réessayer plus tard et dans tous les cas c'est une expérience qui vous fera grandir Pour moi ce que je vous ai présenté ça a marché peut-être parce que je suis têtue et que j'ai la tête dure mais toutes les personnes sont différentes et ça vraiment j'insiste adaptez-vous s'il vous plaît si vous voyez que ça colle pas avec votre mentoré bah, peut-être parlez-en essayez de lui trouver un autre tuteur parlez-en avec lui ou elle savoir ce qui s'est passé ce qui pourquoi ça coince ça pourra aider donc s'il vous plaît sauver une dev, non, je rigole, aider vos mentorés à développer leur potentiel, c'est hyper important et vous sauverez certainement une carrière et peut-être même que vous sauverez une personne. Je me suis inspirée de la conférence de Daniel garnier moiroux qui est pleine de pédagogie et de bienveillance. Vous pouvez la retrouver, il l'a donnée au Nixit 2022. C'est vraiment chouette. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent forum. Merci beaucoup, Pauline. Euh, il nous reste 7 minutes si vous avez des questions, si vous voulez. Je vois qu'il y en a une euh, tout de suite. Merci pour la présentation. Tu nous as dit, à la présentation des speakers, qu'on venait si, pour nous dire pour le long coup des girafes. Et du coup, pourquoi les girafes ont-elles un long coup Parce qu'elles puent des pieds <laughs> La réaction est mitigée. Je... <laughs> Est-ce qu'il y a d'autres questions ah oui. Euh, du coup, est-ce que. Tu... Alors, déjà, merci pour la présentation, c'était très enrichissant. Et euh, est-ce que toi, à l'avenir, ça t'a donné envie de devenir mentor On va dire peut-être tout de suite, peut-être d'attendre encore un peu euh... Moi, c'est quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur et qui me ferait très plaisir. Et au final, aujourd'hui, je me suis rendu compte que peut-être que j'étais un petit peu mentor de certains de mes collègues parce que je suis référente sur certains projets. Donc, j'ai plus de connaissances et du coup, bah, des fois. Euh... Quand ils sont bloqués, bah, on en discute et au final je me rends compte que j'ai appris plein de choses et que du coup bah, c'est un peu à moi de le retransmettre. Et des fois moi aussi j'ai la sensation de, en fait tu t'as pas compris ce que je t'ai expliqué, hein. mais non. Et du coup ça me remet en jeu un peu et du coup c'est l'autre vision de, de la partie, c'est comment en fait on interagit avec quelqu'un et justement c'est hyper enrichissant et le mentorat ne s'arrête pas à une relation alternant ou stagiaire et euh quelqu'un d'expérimenté qui se pose comme un tuteur. Euh, merci pour cette super conférence. Euh j'ai une question par rapport au réseau. Est-ce que euh, il existe aujourd'hui des réseaux, euh, parce que je sais que la FUP, par exemple, a un programme de mentorat, donc je le rappelle pour les gens qui savent pas et qui n'auraient pas vu la keynote hier, Merci. mais est-ce qu'il existe aussi d'autres réseaux pour d'autres écosystèmes, pour d'autres langages, où, par exemple, même au sein des duchesses, par exemple, où on pourrait faire des rencontres, un mentor presque parfait, ou des, des choses dans ce genre-là, pour que des stagiaires alternants, alternantes, euh, retrouvent euh, des mentors et pour... Faciliter justement la connexion des atomes crochus dont tu parlais tout à l'heure, puisque des mentors qui ont envie de mentorer, mais qui sont euh, grosses barres dans une cave, ils ont peut-être moyen de trouver chaussures à leurs pieds, et à l'inverse, des, extra des extravertis aussi, mais pas sur les mêmes, sur les mêmes modèles. Est-ce que tu as de connaissances de ce genre de, de bah réseau je, je sais que par exemple, sur les duchesses, il y a, y a du marénage qui se fait beaucoup. Il y a aussi une communauté féminine à Lyon sur de l'informatique où on fait passer beaucoup de tuyaux comme ça, beaucoup d'offres de stage, où il y a beaucoup de communication. Après, je trouve que c'est un peu passer des entretiens aussi sur les canaux classiques, quoi, comme LinkedIn. Moi, mon CV a atterri parce qu'un tel a repartagé et puis ça a fini sur un bureau chez M6. Enfin, je n'ai pas en tête non plus de réseau vraiment spécifique, mentorat dans l'IT. Euh, comment faire avec le manuel du mentor, le manuel du mentoré Ça peut être une initiative sympa. On a encore le temps pour une ou deux questions, je pense. Euh, la première chose que tu dis, c'est qu'un mentor, ça doit être prêt mais euh, quand on n'est pas forcément certain de ses compétences euh, de enfin on a envie d'aider mais que mais mais, mais qu'on n'est pas forcément euh, assis sur euh, sur ce qu'on fait est-ce que tu penses que quand même on enfin est-ce qu'il doit vraiment être prêt ou est-ce qu'on peut se lancer sans forcément euh, bah, sans forcément être prêt et apprendre sur le tas être prêt c'est peut-être pas le bon choix de mot. c'était plus euh... Choisir, en fait, d'aider quelqu'un et de le mentorer. Il euh, n'y a pas besoin, après, euh, d'avoir un certain socle technique. Je pense que c'est un peu euh, du cœur. Il faut, faut se sentir euh, plus près au sens euh, caractère. Euh, J'ai envie d'aider quelqu'un. Et puis, je pense qu'il faut se lancer, essayer. Et puis, on voit comment ça se passe. quoi. Puis Ça se passe normalement pas trop mal si on arrive à, à, à communiquer. Euh, je pense que faut se lancer. Donc, lance-toi si tu as envie d'aider quelqu'un. On peut prendre une autre question Merci pour la conférence. Euh, moi, je me demandais s'il y avait d'autres mentorés dans ton entreprise. C'est là. Euh, euh, je ne vois pas. Là. Ah, oui, c'est bon. Et s'il n'y avait pas d'autres mentorés, est-ce que sinon tu en as échangé avec tes collègues de fac Est-ce que ça t'a aidé d'échanger avec eux potentiellement sur l'aide apportée, comment ça se passait, des choses comme ça alors moi, j'en ai discuté beaucoup avec mes camarades de promo où il y avait des mentors vraiment assez différents. Il y avait le mentor, je te mets la pression, faut que tu sois mon champion. Vraiment, il faut que tu contribues, faut que tu fasses des trucs de dingue. Il y avait le mentor, je m'en foutis, en, oh, c'est pas top ce que tu as fait. Envoie-moi la prochaine fois et puis t'envoie, t'as pas de retour. Et puis on dit, c'était un peu nul, donc pas terrible. Et au final, moi, je me suis trouvé vachement bien lotie. Euh, je trouvais que on discutait, on partageait. Ah ouais, mais vous discutez de ça Bah oui. Euh, mais il t'a aidé pour les cours Mais ah, bah oui, je sais pas. C'est une discussion technique. Je fais des études techniques, donc ouais. Donc euh, voilà. Et après, au sein de Bedrock, euh, j'étais une des premières, al fin, alternantes euh, vraiment du début. Donc au bac, j'étais toute seule. Il y en avait un au front. Et ensuite, sur le Slack de l'entreprise, on avait un chat justement, bah, pour tous les alternants. Euh, Aujourd'hui, j'en fais plus partie, donc je ne saurais pas dire euh, s'il est actif encore ou pas. Mais euh, oui, donc euh, ça a fait des... On va dire qu'on se crée des petites communautés de soutien à notre échelle, euh, parce que souvent, quand on est en alternance, il y a aussi le reste de la promo, donc on arrive voilà, à échanger euh, là-dessus. Et je pense que c'est important aussi. Et merci beaucoup, Pauline. Merci à vous.